Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Alors aujourd'hui, on va faire la correction de communication progressive du français avec 270 activités. Allons-y, on va découvrir ensemble qu'est-ce que c'est. Avec vous, Monsieur Youssef Dalel de la chaîne Je Communique TV. Voici donc la situation que je vais vous proposer pour aujourd'hui. Activité correction. Au café. Côté grammaire. On va voir le verbe avoir, prendre et aller comme révision. Le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Le verbe prendre, on dit je prends, tu prends, il prend, elle prend. Nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. Et le verbe aller, je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Alors avoir, prendre et aller au présent. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Le verbe prendre, je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, ils prennent. Le verbe aller, je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Vocabulaire, on a ici les boissons, les plats. Et manière de dire, une petite révision, il vaut mieux. Alors manière de dire, on dit vous avez choisi. Et comme boisson, ça a été, vous prenez une entrée. Oui, je vais prendre. Oui, je voudrais. Une carafe d'eau, s'il vous plaît. Oui, c'était très bon. Oui, qu'est-ce que vous avez comme entrée? Alors, à la question, comment vous voulez votre viande? Comment vous voulez votre viande? Les Français font deux réponses. Saignon ou à point. Il est très rare de manger de la viande rouge bien cuite. Alors, allons-y. On va découvrir maintenant les activités. Alors maintenant, voici les activités qu'il faut faire, bien sûr. Qu'il faut effectuer. Vrai ou faux? Thomas ne prend pas d'entrée. Vrai ou faux? Il prend un morceau de bœuf. Vrai ou faux? Il ne prend pas de vin. Vrai ou faux? Il boit de l'eau minérale. Vrai ou faux? Complétez au présent. On dit qu'est-ce que vous comme tarte, c'est le verbe avoir. Nous, un dessert, c'est le verbe prendre. Je, prendre du vin, c'est le verbe aller. Vous, une entrée, prendre. Nous, des glaces, des sorbets, des tartes, avoir. Vous, au restaurant, c'est le verbe aller. Et choisissez la bonne réponse. Stéphane boit de la bière, un demi déca. Luis, ça veut dire choisir la bonne réponse, soit demi, soit déca, soit vin, soit crédité, soit un menu, soit une carte, soit plat, soit dessert, soit point, soit cuit. Et à la fin, qui parle? Est-ce que le serveur ou le client? Le serveur c'est A et le client c'est B. Alors, passez une commande. Activité, voici la correction. Vrai ou faux? Thomas ne prend pas d'entrée, c'est faux. Il prend un morceau de bœuf, c'est faux. Il ne prend pas de vin, c'est vrai. Il boit de l'eau minérale, c'est faux. Thomas ne prend pas d'entrée, c'est faux. Il prend un morceau de bœuf, c'est faux. Il ne prend pas de vin, c'est vrai. Il boit de l'eau minérale, c'est faux. Il boit juste une carafe d'eau. Alors, complétez au présent. On dit, qu'est-ce que vous avez comme tarte? Nous prenons un dessert. Je vais prendre du vin. Vous prenez une entrée. Nous avons des glaces, des sorbets, des tartes. Et vous allez au restaurant. Qu'est-ce que vous avez comme tarte? Nous prenons un dessert, je vais prendre du vin, vous prenez une entrée, nous avons des glaces, des sorbets, des tartes, et vous allez au restaurant. C'est ça la bonne réponse. Alors on passe à autre chose maintenant, d'autres activités. Alors ici, il faut choisir la bonne réponse.
Stéphane boit de la bière. Un déca. Louise prend une assiette de crédité. Raphaël prend un menu à 10 euros. Je prends le plat du jour, le saumon aux herbes. Félix mange son steak à point. Alors, je choisis la bonne réponse. On dit Stéphane boit de la bière. Un déca. Louise prend une assiette de crédité. Raphaël prend un menu à 10 euros. Je prends le plat du jour, le saumon aux herbes. Félix mange son steak à point. Alors ici, c'est vraiment très simple. Qui parle, le serveur ou le client? Ça a été, bien sûr, c'est le serveur. Vous avez choisi et comme boisson, vous prenez un café, une... Voilà. Alors ça a été, vous avez choisi. Et comme boisson, vous prenez un café. Alors, non, merci, l'addition simplement. C'est le client. Oui, je vais prendre un steak au poivre. C'est le client. Oui, très bien. Une cave d'eau. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que vous avez bien compris cette séance de communication. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, vous pouvez vous abonner dans notre chaîne. Il faut tout simplement cliquer sur le bouton, mettez des likes et ajoutez des commentaires. Avec vous, c'était Monsieur Sevdalel de la chaîne Je Communique TV.